tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde est debout, il est 10h15. Avec Ellie, on est au taquet depuis 8h30. Alors, du coup, je vous disais, ce matin j'ai déjà monté mon vlog, mis en ligne le vlog. On peut raconter, c'est quoi que ça? Il m'a dit que la main de papa, c'était des Smarties, mais c'est... Loïs a tendance à laisser traîner ses cachets. Donc souvent je passe derrière lui, donc il n'y a pas de souci. Mais la dernière fois il y en a un que j'avais pas vu. Et Liora elle vient me voir en me disant: maman, maman, j'ai trouvé un Smarties. Regarde, bah c'était pas du tout un Smarties. Du coup je sais plus ce que je vous disais. Donc tout est prêt ce matin. Là je fignole mon ménage, je vais passer l'aspirateur, nettoyer le sol. Et puis on sera bon, j'aurai plus qu'à prendre ma douche, préparer le déjeuner. Loïs ici présent. Maman! Qui vient de nous remettre la pire chanson de l'année, année 2019, Baby Shark. C'est plus possible. Il est maintenant 10h55, j'ai quasiment tout fini. Il faut encore que je fasse le sol et que je m'occupe un petit peu de l'entrée, enfin de mon bureau surtout. Loïs prend sa douche, il va aller au marché pour acheter de quoi faire les filochettes d'Inde aux cacahuètes, là au beurre de cacahuètes. Et là, je prends 10 minutes pour lui envoyer par texto la liste et faire ma luminothérapie. J'ai l'impression que ça fonctionne pas trop mal. On va pas se voiler la face. Du coup, on va voir, c'est le troisième jour là. Ok, Google, stop! Ah zut. Bon, j'allais vous dire que j'avais pas pu avancer parce que Loïs est parti tard faire les courses. Mais là j'avance, je débarrasse la vaisselle, je prépare à manger. Et puis voilà, donc je vais faire donc de l'effilochette d'Inde aux cacahuètes. Ensuite en dessert une mousse au chocolat. Et en entrée ce sera avocat crevette. Voilà, tout simple. Clairement ça c'est vraiment notre recette favorite de Magimix. Bon, on les a pas toutes testées, mais ça c'est une recette, ça doit être la quatrième fois que je la fais. Tout le monde adore ça, donc c'est parti pour les filochettes d'Inde. Clairement pas le temps, du coup j'ai déjà 4 moelleux au chocolat, je vais en refaire une fournée, comme ça j'aurai juste à les... je vais tout préparer et puis j'aurai juste à les mettre à cuire avant de passer au dessert, en fait juste 15 minutes, comme ça ils seront prêts minutes, voilà. Alors il y a l'application sur le téléphone, mais là du coup j'aime bien aussi avoir les livres moi, donc du coup j'ai la recette qui est ici. Première étape, mettre le beurre et le chocolat à fondre. Il y a un mode chocolat fonte de chocolat. On fait ça, moi j'ai 13 minutes et du coup je fais ok, let's go, et ça va fondre et quand ce sera terminé, ce sera complètement fondu parfaitement et je vais m'occuper de peser le reste. Je vais maintenant mélanger les œufs, le sucre et la farine, enfin le sucre et la farine. Ça c'est le beurre que je me suis mise de côté pour beurrer mes moules, parce que je beurre toujours mes moules même si c'est pas, je pense que c'est pas nécessaire dans ces moules là, je les beurre quand même. Donc c'est parti, moi ce que je vais faire c'est que je vais d'abord blanchir les œufs avec le sucre, parce qu'en pâtisserie c'est ce qui se fait en fait, là ils disent de mélanger les trois, moi je préfère d'abord blanchir mes œufs et puis après je rajouterai ma farine. Si vous avez un batteur électrique, faites-le au batteur électrique parce que moi je veux pas qu'il y ait de gros bruit et tout, je veux que ce soit bien lisse et tout, que ce soit un peu mousseux, et ben je peux vous dire que je fais du sport là. Bon, je suis plutôt satisfaite. Hier je l'ai fait au batteur électrique chez ma mère, c'était tellement mieux, il me faudrait tellement son petit batteur, c'était génial. Avec le petit fouet là qui fonctionnait tout seul, c'est trop bien. Quoi vous dire, ici ça cuit, ici ça fond, ici ça a fini de cuire, là ce sera à réchauffer et ça va être à mettre au four. Ça attend son chocolat, voilà. Je vais profiter de tout ça pour beurrer mes moules. Et puis après, ce sera bon, quoi, j'ai envie de vous dire. Je pensais pas y arriver en si peu de temps, mais en une heure pile poil, j'ai préparé un repas pour 6 personnes, 7 personnes. Moi, je me sens bien là. Moi, je me sens bien. Et voilà, la fonte de chocolat vient se terminer. Ça fait comme ça. Du coup, moi, je mélange un peu. Et puis, je vais tout mettre dans mes œufs.
Je vais venir incorporer mon chocolat comme ça. Et après je vais pouvoir le mettre dans mes petits moules. Moi ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre à cuire tout de suite. Il y a 17 minutes de cuisson. Je mettrai quand on sera en train de manger le plat en fait. Un petit peu avant de finir de manger. Parce que du coup il y a 10 minutes pour que ça refroidisse. Donc je pense que ça sera nickel au niveau timing. Voilà le résultat, je vous dis je les mettrai à cuire tout à l'heure. Là tout le monde est arrivé donc je vais y aller. Ça c'est mon entrée, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais servir à l'assiette l'entrée du coup ce sera plus facile. Lui j'ai rajouté de la cuisson pour qu'il mijote encore pour être sûr. Parce que comme j'ai doublé les quantités, bah, j'ai doublé les cuissons, voilà. Tout le monde est parti. Je sais pas comment j'ai géré le truc, mais j'ai trop bien géré le truc parce que j'ai mon montage, j'ai les montages à faire là, j'ai beaucoup de travail mine de rien et en plus je me dors dessus. Ils ont dit qu'ils allaient se balader, mon beau-frère, ma belle-sœur et les garçons ont dit qu'ils allaient se balader au passage. Du coup j'ai dit ah bah Louis c'est une bonne idée, vas-y bah avec eux, comme ça moi je bosse pendant que vous êtes pas là. Et hop là c'est parti, j'ai pas beaucoup de temps donc j'y vais à fond, je bosse. Le repas était super bon, les moelleux, les fondants étaient super bons franchement, canon. Bon, cette poupée elle est lavée, elle est crémée, tout va bien. La vidéo de ma chaîne cuisine est en train de charger, il faut encore que je fasse la miniature. Là il faut que je débarrasse toute la table, il faut que je débarrasse la cuisine et que je prépare le dîner. Loïs, c'est toi qui cuis le baguette canard. On finit le... On remange, mais il faut que je refasse du riz alors. Des pâtes, des coquillettes. Ouais, ouais les coquillettes. Lave-linge qui tourne, la vaisselle qui tourne, vaisselle faite. Oh pour les nouilles, les coquillettes pardon, en train de chauffer, de cuire. Oh. Et j'ai les deux petits gars dans le salon, dont Loïs devant le match, donc on va aller voir ça. Pour Eliora ce soir, c'est coquillettes fromage crème, la base. Est-ce que tu pourras faire aussi le tour de la maison comme et tu vas dire... Et tu vas faire ça pour le petit gars, pour la petite fille. Quelle petite fille? Pour le tour de la maison. Ah, pour le tour de... Alors, le tour de la maison, c'est ce que je lui fais le soir avant qu'elle s'endorme. Je lui fais le tour de la maison, comme la chanson, sauf qu'on raconte des histoires en faisant le tour de la maison. Et ça la détend et ça l'endort. Et du coup, généralement, je fais la cuisine dans le tour de la maison. La cuisine, elle est par là. Hein, la cuisine, elle est là. Cette joue-là, c'est la cuisine. Et du coup, je cuisine souvent le même plat qu'on a mangé le soir. Donc, ce soir, hop! On fera des coquillettes crème fromage. Oui. Et on va choisir le même dessert aussi. Oui, bien sûr. Un yaourt à la vanille. Moi, je vais prendre plutôt un yaourt au chocolat. Tu vas faire le tour de la maison. Les pâtes au bœuf, les tomates, on est à la cheminée. J'ai pas perdu. On dirait que t'es possédé là mon amour hein. Sinon, tu... tu nous fais un petit peu peur. Oh non, on est dans ma chambre avec mon petit bras, toi et mon verre. Ah ouais, elle est complètement possédée. Elle est habitée cette enfant. Eliora, elle essaye de se lécher le coude, mais j'essaye de lui expliquer que c'est pas possible. Attention, t'as mis du yaourt dans tes cheveux, mon cœur. Et y a cheveux? Non, ton coude il est là. C'est pas possible, bébé. Mais là, c'est le bord du coude. Le bord du coude. Il y a un truc que je regarde dans mon existence et pourtant j'ai essayé. J'ai vraiment, vraiment essayé. Mais je déteste le foot. Je déteste ça. Vraiment, donc j'ai essayé. Mais là, poster. Attends, ça va commencer encore. Si, la poster. Non, ça va pas commencer encore. Mais si, la poster. Non, ça va pas commencer. Bref, j'y vais. Et Loïs aime le foot. Donc, alors, je sais pas si c'est le fait que moi j'aime pas le foot ou que j'ai pas bien choisi mon mec. Je sais pas trop. À ton avis, c'est quoi? Bon, donc, du coup, ordi pour moi, télé pour Loïs. On est au top. On est un couple au top, je vous dis. Et puis, on mange la même chose que ce midi, mais avec des pâtes au lieu du riz, lentilles corail, boulgour de ce midi. Voilà. Bah, bisous. Oui, bisous. Bisous, bisous. Bon, il va falloir que je me couche parce que je me réveille tôt demain. Il faut que je prépare toutes mes affaires. Il y a cet homme là. Salut. Salut, madame. Salut toi. Je te veux, la dame. C'est important, ma femme. J'aimerais juste qu'il cache son intimité quand je vlog parce que au montage, je sens que ça va être galère. Alors, surtout si tu montes les... la tête éclatée, ça peut être drôle. La tête éclatée. De fatigue. Non, mais je parlais de ta. J'ai compris. Mais si tu montes et que tu es fatigué et que tu le vois pas. Ah oui, c'est ça. Si je monte et que je vois pas qu'il y a son intimité à un passage comme ça et que. Après, les gens, c'est des ouf, hein. Ils font des screens et tout, c'est des malades.
Ouais, il l'a caché. Oui, monsieur Dorapoil. On peut tout leur dire. Hein? Non, j'ai un t-shirt. D'ailleurs, c'est bizarre que t'as un t-shirt à froid. On est pas très drôle, hein. Là, on est pas très très drôle, hein. Et bonne nuit. Tiens, il y a encore une émission super joyeuse. Il faut que je prépare les affaires pour demain, j'ai la flemme. Non, et bonne nuit. Mais arrête Bonne nuit. T'es en train de jouer à Candy Crush, qu'est-ce qu'il y a, bonne nuit? Mais arrête. Arrête. Non, peut-être pas ce soir. Pourquoi? Il a dit pas ce soir. Ouais, je vais clôturer le vlog. Là, maintenant, ça suffit, les bêtises. Ah bah, je vais rester un petit peu encore dans le vlog. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle demi-journée de tournage. Enfin, journée de tournage, parce que généralement, voilà. Sauf que demain, je pars sans Loïs. Ouais. Bah non, franchement, c'est pas cool. À quelle heure il est ton rendez-vous? Impossible. À quelle heure il est ton rendez-vous? Impossible, 10h à Boulogne. 10h à Boulogne? Impossible. Ah, t'es lourd. Lourdeur. Bon, allez. À demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.